Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale. On va se faire un petit pack opening, deux petites attaques, et après on ouvrira le coffre à couronne, en espérant tomber sur quelque chose de plutôt pas mal, pour terminer sur quelque chose de bien, tu vois. Tu vois, un truc de ouf, tu vois, genre tu termines, ça fait « Wouah, légendaire et tout », tu vois. Non, ça peut être pas mal, ah, on sait jamais. Ce que je vais faire, c'est que je vous dirai tout de suite pour ouvrir le coffre d'argent. Hop là, et je vous avais dit à tout de suite, hein. Non mais attends, moi quand je dis tout de suite, c'est tout de suite, tu vois. Donc 53 d'or, c'est plutôt pas mal. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça m'étonnerait que j'arrive à avoir 2000 pièces, mais si j'arrive à avoir 2000 pièces, on sait jamais, eh ben, j'améliorerai le cochon. Ah, vous y attendez pas, celle-là, hein? Donc, 53 d'or, 7 barbares, ça fait plaisir, un sorcier, ça va, ça va, ça va, ça va, on va dire que ça va, c'est plutôt pas mal. Donc, 48 d'or, ouais, ok. Un mortier, ok, et 7 gobelins à lance. Et ben voilà, 7 gobelins à lance, ça fait plaisir, tu vois. Les petits gobelins à lance, comme ça, ils font toujours plaisir, de toute façon. Quand ils utilisent, donc ils utilisent pas, ça fait toujours plaisir, toujours. Donc 50 d'or, ouais. 7 esprits de feu, ça va. Et tu me donnes quoi? Une tour de l'enfer. Non, la tour de l'enfer, là, par contre, je suis pas d'accord. Non, la tour de fer, là, c'est un petit peu la pire tour qui existe. Hein. Ah ouais, non, mais bon. Non, moi, je l'aime pas, j'arrive pas à l'utiliser. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le coffre gratuit, mais non. On va essayer, on va essayer, on va essayer. Ouais, c'est pas sûr à 100%, mais on va essayer. On sait jamais, on sait jamais. Allez, c'est parti. Deux gobelins à lance. Ça commence petit. Et ça finit déjà? D'accord, 6 esprits de feu. Bah, je suis étonné de voir le peu qu'il y a. Bah, c'est pas très grave. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. 62 or, ça va. Et 7 mortiers. Intéressant. Et un extracteur d'élixir. Mais dis, mais tu me donnes que de la merde. Bon, ça va, pour l'extracteur d'élixir, ça va. Eh, le mortier, s'il te plaît, quoi. Il y a un moment, faut arrêter les conneries, hein. Il est où ton mortier, là? 4 et tout, bon. Ah là là, c'est pas fameux, tout ça. Hein. C'est pas fameux du tout. Moi, j'aurais bien voulu, je sais pas, de la Valkyrie, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de Valkyrie, ça fait longtemps que j'ai pas eu de Horde de Gargouille, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'Archer. Voilà, quoi, hein. Tu vois, j'aimerais bien avoir... Pour les améliorer niveau 10, hein, par exemple, ça pourrait être pas mal. Hein, niveau 7 pour les rares. Niveau 2 pour les légendaires, pourquoi pas, hein. Ça serait tant mieux. Hein. Puis voilà, ouais, gargouille, tout ça, flèche, enfin bon. Ouais, bah c'est pas très grave. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sur le coffre d'or, voir s'il a pas mieux. On sait jamais. Qu'est-ce que ça donne? Attention, qu'est-ce que ça donne? 158 d'or, putain, de que dalle. De que dalle. Que dalle. Ouais. 3 mortiers, ouais, ça va. 8 électrocutions. Non, ça... Ouais, pff, vite fait, hein. Ah, bah voilà. Ça fait plaisir. 13 gobelins. Et après, une petite épique. Ah non, 2 rares, d'accord. 2 sorciers. Bon. On va dire ça va. Ça va, parce que le sorcier, ça va. Mais c'est pas encore ça, hein. Ouais, c'est pas encore ça. Mais bon, malgré tout, ouais, c'est vrai que c'est pas... Disons que depuis que je suis à Rennes 6, hein, j'ai plus grand chose. Hein. Ah bah avant j'avais du cochon, avant j'avais des gros trucs et tout. T'sais. Maintenant j'ai des petits sorciers à la con. J'ai des petits zaps, enfin du petit électrocution. Ah, des trucs à la con quoi. Hein. J'ai des tours de l'enfer, des extracteurs. Mais je crois que j'en avais aussi des tours de l'enfer avant, quand j'étais à Rennes 5. Ouais. Enfin bon. J'avais même des 3 bombes avant que j'étais à Rennes 5. Ah bah, c'est... Waouh, c'était génial. Oui, donc du coup, bah, on peut pas améliorer ce fameux cochon, là. Ah, mais si, on peut. Petite astuce, vous allez voir. Je vous l'ai déjà montré. Regardez. Hop là. Attends, on profite. Bah ouais. Hein. Et il demande pas d'acheter 1000 pièces ou je sais pas combien. Non, juste ce qu'il faut. Et ça, c'est bien, ça. Donc, on va améliorer le cochon. Parce que moi, j'ai envie d'améliorer le cochon. Donc, c'est parti, ça donne quoi? Niveau 6, le cochon. Oh, ça fait plaisir. 112 en plus, 14 en plus. Oh là 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 là. 14 dégâts par seconde en plus. Bah, chaque coup, ça fait 21 en plus, quoi. C'est déjà pas mal. Et 112 points de vie, c'est quand même plutôt cool. Franchement, là, une petite amélioration qui fait plaisir, j'ai envie de dire. Oh, elle fait plaisir. Elle fait plaisir parce que... disons que, grâce à ça, je pourrais résister encore plus et faire encore plus de dégâts, comme c'est pas permis. Bah voilà, du coup, moi, j'ai mes deux rares qui sont au niveau 6, ça fait plaisir. Et il manque plus que les 3 là améliorés, et c'est nickel, on a un deck parfait. Non, mais un deck plutôt EP, quoi. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous dirai tout de suite pour attaquer. Bon, malheureusement... Ah, t'as vu?
Ah, il a pas fait pile. Il aurait pu m'en faire que 14, il en a fait 16, l'enfoiré. Il m'a grugé deux pièces. Non, je déconne. Non, c'est parce que, t'imagines, tu payes 14. Bah, tu vois, t'es en perte, tu vois. Si tu peux avoir deux pièces, bah, tu profites, hein. Enfin bon, laisse tomber. Je pense que tu m'as compris, mais on s'en fout. Donc, du coup, bah, je vais vous dire tout de suite pour attaquer. Pack opening qui était pas super génial, me sort à lui. Et puis voilà, donc moi je vous dis à tout de suite pour attaquer, c'est parti. Et c'est parti les gars, on est contre Maitrill, donc qui est niveau 8, voilà, donc ça fait plaisir, comme d'hab, hop là. Et nous on est avec notre petit cochon qui est niveau, je sais plus combien exactement, niveau 6, voilà, donc ça fait plaisir, un petit niveau 6, tranquillou, pepperoni. Voilà, donc s'il y a moyen de pouvoir lui défoncer la gueule parce qu'il me saoule, ça serait génial. C'est bon? Ok, on lui défonce. Oh, lui aussi, il a niveau 6. T'as vu, c'est génial. Ok, ce qu'on va faire, ça. Voilà. Ça passe là ou pas? Ouais. Allez. Oh non. Dommage, franchement dommage. Bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre petit molosse de là, parce qu'il m'a saoulé. Ah, il m'a énervé, là. Ah, mais non, je peux pas. Vas-y, ils sont chiants, les gens. Bah, allez, vas-y, tue-moi ça, là. Voilà. Y a moyen que tu... Non, ça passe pas, hein. Ah, il fait deux coups, trois coups, tout ça, waouh. Foutez de ma gueule, là. Bon, on commence très mal. Eh bah, bien joué, mon petit, bien joué, hein. Et moi, je te dis bonne chance, mon petit. Bon, alors, du coup. Ah, le vieux truc, allez, arrête. Putain, tu sais pas jouer autrement, mec. Oh, je te jure, il y en a, franchement, ils savent pas jouer. Bon. Eh bah, c'est pas très grave. On va envoyer ça. Non, mais tu vois, là, on va le design, parce qu'il m'a saoulé. Alors là, mais il m'a saoulé. Vous pouvez même pas vous imaginer comment il m'a saoulé. En deux secondes chrono, il va être mort de toute façon. Il a envoyé sa boule de feu pour détruire la tour. Bah, il aurait pas dû. Eh, il aurait pas dû du tout. Hein, bon, bah voilà. Ah, ça fait mal d'un coup là. Hein. Ah oui, hein. Ah, ça fait mal d'un coup. Ah, bah oui. Oh, bah, putain, j'aimerais pas être à ta place. Hein. Ah, bah alors là, je me gêne même pas, mon gars. Je me gêne, mais alors, mais pas du tout. Hein. Tu comprends pourquoi j'ai dit bonne chance du coup. Ok. Allez, bim. Il fallait la mettre avant. Et bah voilà. Hein, la prochaine fois, tu feras gaffe, tu verras pas ta boule de feu pour rien. Et bah voilà, hein. Petite leçon, mon petit. Hein, petite leçon. Ah ouais, non, mais le mec, il m'a saoulé. Oh là là. Oh, il m'a saoulé. Pouh. Non, mais le mec, il est là. Il est là, il est présent, tu vois. Hop, et tout, il me regarde bien, tu vois. Et il fait, ah ouais, tu veux jouer à ça? Non, mais le mec, il est là, tu sais, il balance une boule de feu pour finir la tour. Bah, ok, vas-y. Moi, qu'est-ce que je fais? De toute façon, j'ai mon petit molosse, et derrière, j'ai masse de troupes. Et voilà. Et bah voilà. J'en dis pas plus. Hein, tu connais la suite, hein. Là, il a plus la boule de feu, bah, il peut plus défendre. Bah voilà. Non, mais bon. Après, il fait ce qu'il veut, mais ça reste la même, quoi. Le résultat reste le même. Voilà. Il aurait pas tiré la boule de feu, il aurait pu défendre. Et bah voilà. Non, mais bon. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous tirez vos boules de feu, vos missiles, là, sur les tours, bah, faites ce que vous voulez. Moi, c'est pas mon problème. Donc, du coup, bah, si, mais non. Donc, du coup, moi, je vais tout de suite pour une deuxième attaque. Et puis, voilà, c'est parti. Et c'est parti, les gars, on est contre Gaton. Et je me suis rendu compte qu'on a même pas utilisé le cochon la fois d'avant. On a même pas utilisé le cochon. Donc là, on va essayer de faire du Valky cochon, tiens. Ah, ça peut être pas mal, Valky cochon, s'il a pas les hordes de gargouilles. Nickel. Eh, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Bon, bah, nickel. Ça le tue ou pas? Non? Bah, ça va, regarde, le cochon, quand même, qui est plutôt pas mal. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, là? Ah, j'ai envie de te dire que c'est chaud, là. Bon, on va essayer un truc. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Ça donne ou pas? Ça va, ça donne. Bon, alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer notre molosse de... Mais là, on va le réutiliser, là. Attends, bah, deux secondes, je peux pas non plus tout faire en même temps. Je peux pas te ridiculiser et en même temps... attendre l'élixir, c'est pas possible, enfin... chaque chose en son temps, mon petit. Attends deux secondes, hein. Non, je peux pas te ridiculiser et en même temps défendre, tu vois, ça... Y a quand même une différence entre les deux. Laissez tomber, je dis de la merde, je m'embrouille. C'est pas très grave, ça arrive. On n'est pas à l'abri, hein, on n'est pas à l'abri d'une connerie comme ça. Bon, on va envoyer les flèches quand même, parce que bon, j'ai envie de te dire que je suis en train de mourir, là. Ok, merci. Yes, nickel. T'as le démon. Ah, c'est bon, ça fait plaisir. Bon, on va envoyer du cochon ou pas? Ah, j'hésite, hein. Allez, on est chaud, on envoie du cochon. On envoie du cochon. On est chaud. Ah, je m'en fous, on est chaud, là. Je m'en fous complet. Alors là... Ah, ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Et bah voilà. Hein? Ah bah ouais, on fait moins le malin, là. Eh, le cochon, franchement,
fait plaisir. Oh, il fait plaisir, il fait plaisir. Il n'a pas été EP de beaucoup, hein, de 10% en moyenne. Mais on va dire que ça passe. Ok, j'envoie la Valkyrie. Boum. Qu'est-ce que tu vas faire, gros? T'as le démon, là. Hein. Ah bah ouais, t'as le démon. C'est bien ce qui me semblait. J'étais pas sûr, tu vois. Mais finalement, si, c'est vrai. Oui, donc du coup, on va faire ça. Lui, il va mettre le sorcier, lui. Je sais pas pourquoi. Il attend de pouvoir mettre le sorcier, j'en suis sûr. Ok, on va mettre les flèches, c'est parti. L'effet flèche, ouais. Yes, dommage. On aurait pu faire mieux. Il va mettre le sorcier, je le sens. Ah là, bon, c'est pas très grave. Ah, tu vois, j'en étais sûr. Ah, il y a même pas moyen de le tuer. Bon, vous savez quoi, c'est pas très grave. Oh, mais parfait, mon gars. Mais regarde, là, il y a rien de mieux pour contrer ça que la Valkyrie. Regarde, hop là. Et après, on fait ça. Nickel. Pas de soucis, regarde, t'as vu. Oh non, il est pas mort. Ah merde, ça par contre, j'avais pas prévu ça. Ou ça, j'avais pas prévu ça. Oh, ça, j'avais pas du tout prévu ça. Bon, c'est pas très grave. Parce que t'as cru que t'allais me submerger. J'ai des flèches, mon gars, j'ai des flèches. Tu sais ce que c'est des flèches? Ou tu sais pas ce que c'est? À mon avis, tu sais pas ce que c'est des flèches parce que. Eh oui. Et là, en plus, tu viens d'utiliser ton petit. Et alors là, mais regarde. Et boum, tu fais faute sur faute, mon gars. Et bah voilà, c'est nickel. Le 3 étoiles est pour moi, mon petit. Hein? Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Bon, donc y'a moyen de prendre la tour vite fait comme ça? Je dis ça comme ça après, hein. Ouais, y'a moyen? Allez. Et bah voilà. Et bah voilà. Et bah ouais. Mais mon gars, mais arrête de. Mais arrêtez de faire des fautes. Attends, ce qu'on va faire? On va faire ça. Hop là. Super combat, mon petit. Et bonne chance pour la suite. Alors, le truc, c'est que le mec là, qu'est-ce qu'il a pas fait? Il a envoyé son sorcier. Alors, déjà, il a envoyé son groupe. Attends. Voilà. Il a envoyé son groupe. Comment ça s'appelle? Sa horde de gargouilles. Alors que j'ai les flèches. Alors déjà, tu vois la connerie, hein. Bon, après, je dis ça comme ça, en espérant me submerger. Il a vraiment cru qu'il y est arrivé, alors que j'avais les flèches. Enfin bon. Après, qu'est-ce qu'il fait? Donc du coup, là, il peut même plus défendre avec les hordes de gargouilles. Bon, c'est son problème. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le sorcier, le seul truc qui peut détruire en dégâts de zone, en l'air. Donc, pour tout ce qui est hors de gargouille, tout ça que j'ai là, et ben c'est la seule chose qui pourrait défendre. Ou à pareil avec le foudre aussi, mais ça tue pas en entier les hordes de gargouille. Et donc, du coup, le mec il envoie ça. Mais qu'est-ce que je te dise, moi j'envoie mon molosse, ma horde de gargouille, hop, c'est fini. Il y a un moment, faut réfléchir un petit peu. Hein. Mais bon, qu'est-ce que c'est pas grave. Il a fait une mauvaise action, bah c'est comme ça. Hein. Mais il faut pas trop en vouloir non plus, tu vois. T'envoies, enfin, vaut mieux garder la défense. Qui peut être pas mal si t'en as besoin, tu vois. Si t'as besoin du sorcier en défense, vaut mieux le garder en défense. Va pas le mettre en attaque, ça ne sert à rien. Enfin bon, après, ouais, je dis ça comme ça. Et donc, du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour ouvrir le coffre à couronne. C'est parti. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le coffre à couronne pour voir ce qu'il y a dedans. C'est pas très compliqué, hein. C'est juste pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, c'est parti, attention. Qu'est-ce que ça donne? 373. Ça fait plaisir. C'est pas encore 400, mais ouais, ça fait plaisir. Je crois que j'ai déjà eu 400 à un moment. J'ai dû avoir 400 et quelques à un moment. Ou même 400 piles, je crois que j'ai déjà eu. Hein. Enfin bon, 3 gemmes. 3 gemmes. Bon, plus que 119 et on se fait un tournoi. Hein. Ah bah ouais, hein. Plus que 119 et on se fait un petit tournoi, les gars. Bah de toute façon, je m'en fous. Après, il me rembourse mes 500 gemmes. Donc, j'ai envie de te dire, autant le faire. Hein. Donc du coup, 13 gargouilles. Ça va. Ça va, ça fait plaisir. 14 mortiers. Ouais, là, par contre, t'es un peu moins plaisir. C'est pas très grave. Allez, 20 barbares, voilà, ça, c'est bon, ça. Ça, 20 barbares et 5 gobelins. Bah, vas-y, j'ai un cabot de gobelins, quoi, mais... Oh, ah, je pensais pas que ça serait si pourri, quoi. Bon, ça va, j'ai eu des gargouilles... après, je sais plus, j'ai eu des mortiers, cabane de barbare, ça passe pas, hein. Ah, non, mais il y a beau dire, hein, ça passe pas. Cabane de barbare, non. Non, cabane de gobelins, je veux dire. Cabane de gobelins, ça passe pas. Je sais pas, je suis pas fan. Non, mais j'aurais préféré, je sais pas, moi, de la Valkyrie, des trucs comme ça, tu vois, des trucs que j'utilise, quoi. Ou de la légendaire, pourquoi tu m'as pas passé de la légendaire? Moi, j'attends de la légendaire encore, hein. Regarde ce que j'attends, moi. Ah, mais j'attends encore pas mal de légendaire, hein. Je vais te montrer. Regarde, j'attends ça en légendaire. Bon, ça, à la limite, j'attends pas vraiment. Mais bon, voilà. Donc, j'attends surtout ça en légendaire. Et pourquoi pas, ça, c'est pas mal. C'est un peu comme les gobelins... tu sais, les trois gobelins, là. Enfin, bon, le fût de gobelins, là. C'est un peu comme ça, tu vois. Et j'attends ça, moi. J'attends ces trucs-là. Mais enfin, bon. Je vais vous laisser sur ce. Je vais vous dire à une prochaine vidéo, je pense. Ouais, on n'a plus rien à faire. Et puis, dès qu'on aura 500 gemmes, ben...
Et ben on se fera un petit concours tranquillou. Un concours, ouais c'est ça, hein. Ouais c'est ça. Un tournoi, voilà. Voilà, donc du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.